Eh bien bonjour, nous allons reprendre notre série de tutos sur l'animation cartoon. Nous avons vu dans le tuto précédent comment créer des yeux et les animer. Nous allons continuer en utilisant uniquement les outils After Effects dans un premier temps et nous allons créer et animer une bouche. Donc, nous allons obtenir à peu près ce genre de choses. Nous avons des lèvres, le fond de la bouche et les dents. Nous pourrons animer ça par la suite en méthode phonème, c'est-à-dire que on adaptera au son d'une voix pour créer une animation plus précise et plus sympatoche. Allez, nous sommes partis. Composition, nouvelle composition. Un fond d'une autre couleur que le noir, ça sera mieux. Ok, pour voir ce qu'on fait. Je prends l'outil plume. 1, 2, 3. 4. 4 points. Voilà, qu'on pourra animer comme ça. Donc là, j'avais réglé un petit peu mes tangentes. Voilà, pour avoir quelque chose de plus sympathique. Plus mes tangentes sont, voyez, horizontales ou verticales et bien alignées, plus ma forme sera, arrondie parfaitement. Voilà. Nous allons renommer ce calque bouche. Nous allons commencer à l'animer en jouant sur les tracés, chronomètre mise en route. Je vais me déplacer un petit peu dans le temps. Nous pouvons alors pas prendre cet outil, mais plutôt celui-ci, jouer avec nos quatre points, comme cela, se redéplacer dans le temps, ramener. Jouer avec les tangentes. Attention de ne pas créer de nouveaux tracés comme je viens de faire. Voilà. Une animation un petit peu hein, rapide. C'est juste pour le principe. Voilà une animation. Maintenant, nous allons créer les dents. Pour ce faire, attention qu'aucun calque ne soit sélectionné. Je reprends l'outil plume. Cette fois-ci, je vais dans mon fond. Je ne le mets pas en noir, mais en blanc. OK. Et je vais tracer deux rectangles avec l'outil plume. Voilà, je règle ça pour que ce soit à peu près correct. Ah, je fais un deuxième rectangle. Pareil, voilà. Que ce soit à peu près droit. Et je vais appeler ce calque dans. Bon, on se rend compte que si j'anime mon calque bouche, mes dents, déjà elles sont à l'extérieur et puis bah, elles ne suivent pas. Donc nous allons copier le premier calque bouche, CTRL B. Le remonter au-dessus de dents. Voilà. Et nous allons prendre le calque dents et nous allons faire un alpha bouche 2. Voilà. Et à partir de ce moment-là, nous avons déjà quelque chose de plus cohérent. Reste que parfois mes dents
Ben, il va falloir régler un petit peu ça pour que ça suive un peu le mouvement de la bouche. J'appuie sur P pour position dans le calque dent. J'active mon chronomètre. Je vais me déplacer un peu dans le temps. Voilà, je vais positionner celui-ci. Voilà. Alors parfois, ça ne crée pas le point de clé. Hop, il suffit de cliquer ici, on l'a. Voilà. Ici, mes dents sont un petit peu basses. Je peux les remonter un peu. Voilà. Et je crée mon image, mon point clé. On continue. Tac. On va remonter un peu celle-ci. On va là. Voilà. Là, c'est carrément n'importe quoi. Je clique pour sélectionner là. Voilà. Je clique sur le cadre ici. Je sélectionne ainsi mon cadre et je le descends. Voilà, on peut faire ça comme ça. Bon, après, c'est des réglages d'affinage. J'ai fait un petit peu trop de distorsion dans ma bouche, mais bon. Voilà. Allez, admettons. Y a encore des gros soucis. Voilà. Voilà, donc il faut un peu éviter de faire des grosses transformations comme ça parce que ça peut être laborieux après de tout régler. Voilà, on va admettre que, ah, on va dire que c'est bon. On fera les réglages finaux quand on fera les sons qui vont avec. Avec les mouvements de la bouche. Ok, on va dire que c'est bon, même si c'est pas terrible. Le principe est de voir comment tout ça fonctionne. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire les lèvres pour que ce soit un petit peu plus sympathique. Donc, je vais CTRL D, copier le calque bouche 3, bouche 2, je veux dire. Bouche 2, voilà. Ici, bouche 3. Je vais le faire apparent, donc là on a la forme noire, mais c'est pas très très grave. Je vais aller dans son contenu de forme et je vais aller supprimer le fond. Voilà, ok. Et je vais aller lui mettre un contour. Ok.
de couleur rouge, par exemple, ok, et assez large. Là, on va mettre à des 22 pixels, c'est pour le principe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, nous allons avoir. Alors, il y aura des réglages d'affinage, hein. Peut-être supprimer certaines images clés de déformation de la bouche, qui sont un petit peu trop forts, mais voilà, c'est pour le principe de fabrication d'une bouche. J'avoue que là, il y a un déplacement qui n'est pas bon. Quand ça se relève, voilà, parce que ma bouche se relève en fin de compte. Le principe est de voir comment j'ai créé cette bouche. Le travail n'est pas extraordinaire, mais comme on a toujours nos points clés, on peut toujours revenir et affiner. Une autre méthode. Je refais une composition, nouvelle composition, toujours pareil. Et là, je vais travailler avec l'outil plume. Je vais réactiver mon fond. OK. Avec une couleur rouge. OK. Et le contour, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais, toujours avec l'outil plume, créer la forme d'une bouche. Voilà, c'est pas bon. Voilà, reste à affiner. Et quand on met les tangentes bien à l'horizontale, on a une forme beaucoup plus arrondie. Voilà, on va pas s'appesantir sur le design et on va l'appeler aussi bouche. Donc la méthode que je vais vous présenter fait appel à un effet. Donc je sélectionne bouche, sinon ça va pas fonctionner. À un effet qui s'appelle CC Split 2. Alors CC Split 2 va me placer deux petits curseurs ici que je vais placer à 8, qui se trouve ici, voilà, que je vais placer au coin de ma bouche. Je vais peut-être regarder à mettre ça bien au centre, ça sera plus sympa. Je retourne sur Split, c'est si Split 2, excusez-moi. Et ici, je retrouve deux curseurs, Split A et Split 2. Qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre Split? Voilà, je vais ouvrir ma bouche sur le haut, sur le bas. Je peux également aussi jouer un petit peu avec la déformation sur les côtés, mais ça n'a pas forcément un excellent rendu. Donc en jouant uniquement avec Split 1 et Split 2, voilà, tac, 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 je peux animer des lèvres. Après, le principe est le même. On peut créer un fond noir, des dents, et animer tout ça.
à partir de split. Donc si je fais contrôle D pour dupliquer bouche, je vais faire enlever l'effet par contre. Voilà. Je vais remplir de noir. OK. Le mettre dessous. Revenir sur bouche. Jouer avec split. Voilà. Alors attention de pas trop. Mais rien ne nous empêche après d'animer le fond noir pour que ça tienne. Hein. Donc idem, on peut faire les dents de la même manière et avoir une bouche comme ça qui s'anime et qui nous permet, donc avec des points clés, là on va sur l'effet, c'est ces splits, on a donc split 1 et split 2, deux points clés. Je vais un peu plus loin. Tac. Et voilà. Bien, ainsi se termine ce tuto. Nous verrons à revenir sur notre personnage, donc y ajouter la bouche et les yeux déjà existants, et nous travaillerons la prochaine fois sur les paupières, les sourcils pour animer tout ça. Ceci dans un tout prochain tuto. Salut à tous, bon courage!